avoir ma Starmania, mais ils ne peuvent pas avoir. C'est la réunion de la famille Marcos. Lolo Boté est de retour. Tu vois, donc c'est cette petite frustration. Laisse, ça va aller. Je t'ai dit, ça va aller. Les gars, tapotez. La tour de contrôle. Oui. Ouais. Le contrôle. Je t'ai dit. C'est de ça qu'il s'agit. Et toi aussi, tu es un garçon. Ah oui, ma petite soeur. Le général. Le général. Ma petite soeur. Je dis, ta sérénité. Ça en disait long. Ça fait peur. La première fois, il y a mon frère le plus serré au monde. Non. Et bien, oh, nous, ouais, les gens me disent non. Toi, ta petite soeur, ton problème, tu parles pas. Il dit laissez. C'est non, puis Dieu. C'est Dieu qui décide du destin de tout un chacun. C'est clair. Mmh, voilà. Je te dis. Habituellement, il pleut beaucoup à Abidjan dans ces temps-ci. Là. Bon, tu sais aussi, la pluie, là, c'est grâce à mes prières aussi, parce que j'ai prié pour que Dieu me débarrasse de la poisse. C'est que j'ai pris beaucoup de huile. Je sentais une lourde poisse sur ma vie. Fallait que je m'en débarrasse. Quand les grands frères parlent, on les insulte, on dit ils sont jaloux du bonheur. Le grand frère assis voit, il dit petite soeur, là où tu t'en vas là, on dit oh il est gris, il veut pas le bonheur. Il dit donnez-moi 3 mois, vous allez venir vous asseoir pour parler ici. C'est dans 3 mois on saura la vérité. On saura la vérité. Voilà, maintenant tout le monde se réunit pour dire déjà Marco soit privé. Il est dit. Attends. L'ignorance tue, hein. L'ignorance, hein. Franchement. Ouais. Famille Makoso, you be you.